Attends, t'as tout pris là? Non. T'es vraiment une b***h, hein? Oh! Quoi? Non, Junior, attends, je suis pas une de tes copines là, tu peux parler à qui comme ça? J'ai pas de copine! Non, non, non! Laisse-la, c'est pas ça qu'elle m'a! Non, non, je ne sais pas, Junior! Non, non, non! Bon, yo tout le monde, soyez les bienvenus, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là les gars, on est de retour pour un nouveau prank à Trésor. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait à Trésor. Elle est actuellement à la maison, moi aussi. On n'a pas de quoi, donc là j'ai l'idée de la prank aujourd'hui quoi. Donc le but du prank serait de l'insulter et de l'appeler de certains noms pendant qu'elle parle. Par exemple, je vais l'appeler sale. Ouais, et j'ai jamais appelé ma soeur comme ça. N'appelez pas votre soeur comme ça, what? Pour la vidéo, je vais faire ça. Elle est en train de parler, en train de discuter et tout. Après je vais dire, ok c'est bon, salope. Ok c'est bon, ok c'est bon, ferme. Ok, c'est bon. Comme ça, là. On va voir sa réaction. On like la vidéo. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Elle est actuellement là dans sa chambre. Attendez, quelle heure? 14h. Elle vient de se réveiller. Les gars, elle vient de se réveiller. Est-ce que c'est normal ça? Se réveiller à 14h. Putain de merde. Non, c'est pas grave. On va l'appeler. J'espère qu'elle m'entend pas. Parce que quand je suis passé devant sa chambre actuellement, elle avait ses écouteurs. Donc c'est pour ça que. Je peux parler un peu fort. Pourquoi je chuchote? Elle a de la musique dans ses écouteurs. Donc là, je vais l'appeler. Va venir, on va parler. Mais après ça, je vais commencer à l'appeler par certains noms. Et restez jusqu'à la fin parce que je ne veux pas juste l'appeler. Il y aura plein d'autres mots que je vais sortir. Trésor. Quoi? Tu fais quoi? Ok, viens. Viens, vite fait. T'as dit quoi? Juste viens, je fais une vidéo. Tu te reviens à quelle heure? Dans un peu. Juste un peu. Prends une chaise, c'est toi. Il est 14h, c'est maintenant que tu te réveilles. J'ai un congé, je suis pas le droit de me réveiller à l'heure que je veux. Mais t'as dit que t'as plus école du tout là? Hein? T'as plus école, non? Non, j'ai école encore. Ah! Donc quand t'as congé, tu t'en profites pour te réveiller tard là. Ah, c'est ouais. Ça, Tim Hortons. Ouais, je sais, c'est le truc de chocolat. T'as déjà mangé? Ouais, je crois. Cool. Il avait chauffé, mais là, il a refroidi. Non, faut pas le chauffer. Leur truc est déjà bon. C'est des radins. Il n'y a pas mis beaucoup de chocolat à l'intérieur. Mm-hmm. Mmh. T'as dormi et tu te réveilles à 14h. Ouais. Mais est-ce que c'est normal ça? Se réveiller à 14h? Ouais. Comment ouais? Chaque jour, je me réveille à 6h du matin, 5h du matin. Là. Ah, donc, tu reviens à 14h, c'est genre un... C'est un rattrapage. Ok, de tes nuits. Mm-hmm. Tu en prends quoi, du lait? Ouais. Ah. Pourquoi il est un peu dur, le lait? On dirait que comme le frigo, il est trop glacé. Il n'est pas gâté, mais on dirait que le frigo, il est trop glacé, tu vois? Ça glace trop. Il est trop glacé. Uh-huh. Des fois, quand je bois de l'eau... Je pense que c'est le qu'il a augmenté. On peut augmenter? Oui, on peut augmenter le niveau. C'est bon? Ok. Approche-toi. C'est bon ou pas? Attends, moi si je vais manger un peu là. Bon, c'est quoi pour la vidéo? Attends, t'as tout pris là? Non. T'es vraiment une biche, hein? Oh! Quoi? T'as dit quoi? Elle a quand même pris. Quoi? Elle en a dit un mot là. Quoi? Junior, tu sais que je n'ai pas les trucs comme ça. Y'a quoi? Junior, non. Junior, tu sais que les mots. Les gros mots comme ça là. J'ai dit quoi? Non. T'as dit le B word. T'as dit bitch. Non, Junior, attends, je suis pas une de tes copines là, tu peux parler à qui comme ça? J'ai pas de copine! Non. Attends, tu peux stopper la vidéo s'il te plaît parce que. Non. Mais j'ai rien dit, attends. Non, Junior, t'as dit que t'es vraiment une grosse bitch. Et Junior, tu sais? J'ai dit ça! Oui, t'as dit ça! Oui, t'as dit ça! Non, Junior, hallucine pas! Je suis pas folle comme ça, Junior! Je veux un bijou! Laisse-moi enlever ça d'abord! Non, Junior! Je me réveille. Attends, je pense que Non. Tu sais, elle est une grosse. Non, arrête de te mentir toi-même. Tu vas pas me dire que j'ai halluciné parce que tu vas regarder. Tes amis te disent ça, non? Mes amis, ils osent pas me dire ça. Non, mais les hommes, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas me dire ça. Mais où est la différence? Tu es un homme, tu me calmes une bitch, ça c'est pourquoi. Je t'assure. Ok, c'est bon. Je pense que j'ai fait une erreur là. What? Mais c'est juste parce que j'étais choqué là, parce qu'il y en a plus beaucoup. T'as la chance de m'a donné une croissance. Moi, j'ai vraiment là. Ils ont vraiment été radins, regardez ça, il n'y a pas eu beaucoup de Nutella à l'intérieur. Tu penses qu'on peut faire ça à la maison ou pas? On fait nos croissants nous-mêmes et on met du Nutella à l'intérieur. Parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je pense qu'elle peut faire ça. Tu peux cooker ça. Oui. On va faire une vidéo comme ça à l'avenir. Préparer des croissants au Nutella. Ça pourrait être bon ouais, ça. J'ai acheté la levure en plus, j'ai trouvé. C'est pareil, ça permet aussi ça. Ok, donc on peut faire ça. Ouais, j'ai envie de faire ça. Parce que ça n'a pas été trop truc là. Donc là, c'est quoi le programme déjà? Tu as fait quoi aujourd'hui? J'ai commandé des steak moules pour manger. Oh, la poutine.
La poutine avec le bouquet, c'est vraiment. Je commence à être fatigué de manger trop dehors là. Parce qu'on mange beaucoup dehors, les gars. C'est vrai. Il y a la bouffe de la maison, bien sûr, mais on fait que manger dehors. On fait que manger dehors. Hier, on a mangé quoi? Je sais même pas qu'est-ce qu'on a mangé. Ah non, on allait au KFC. On a mangé vite au KFC, mais on n'a même pas mangé beaucoup. Quelque chose de gros. Attends, est-ce que toi, c'est quand tu manges, t'as l'impression que comme ton ventre ne se remplit pas? Mais c'est juste bijou, moi. Moi aussi. On a fait des recherches. Quand je mange rapide, après, comme je suis un peu remplie, mais comme 10 minutes plus tard. C'est ça? J'ai peur que. Et à cause de ça, j'achète encore dehors. Parce que comme je suis à l'école toute la journée, j'achète dehors. C'est ça? J'ai plus faim, j'ai faim le soir, j'achète encore dehors. Donc je gaspille comme 40 dollars par jour. Là. Putain, t'es une sale. Non, j'espère avec ça. Bisous, mais on se parle comme ça, bisous moi. Ah, donc tu avoues que tu as dit le mot. Escalope, oui, escalope. Comme... Non. Il veut juste que tu sois comme ça. Tu as traité bisous d'escalope? Oui, non, je l'ai pas traité d'escalope, j'ai dit on va faire des escalopes. Ah, tu veux dire salope? Non, on va faire des escalopes. Tu essaies de me gaslight là. C'est quoi ça, gaslight? Tu essaies de me mélanger les mots, me faire croire que je suis folle. Non, je suis pas folle, j'ai entendu le mot salope. Pourquoi je vais t'appeler comme ça? What? Mais je sais pas, c'est quoi depuis ta. Tu te sens confiant, confident, maintenant là tu me dis des mots comme. Est-ce que c'est pour la vidéo? Est-ce que c'est ça le vrai but de la vidéo? Non, le but de la vidéo c'est juste de parler parce que t'apparais pas dans beaucoup de vidéos donc il y en a qui veulent te voir et tout donc c'est tout. C'est pour ça que j'ai juste lancé la caméra et on est à la maison et t'as un congé donc c'est rare qu'elle soit à la maison. Ok, c'est pas rare mais comme. Elle est souvent basket et tout là donc c'est pour ça. What? Je t'ai pas appelé comme c'est bizarre, comme ça se fait même pas. Comment un gars va appeler une fille comme ça? C'est ça. Mais aussi. Entre amis, vous appelez comme ça ou pas? Non. Je sais, oui. Tu es allé dans l'école la dernière fois là? Attends, c'est comment? Je pense qu'il y avait une fille là qui était venue. Non, c'est toi qui allais la voir. Eh bien. C'était comme ça. Oui, je me rappelle. Non, non. J'ai vu de loin. Non, les bitches, salope, là. Quand j'étais assis avec mon ami, là maintenant tu étais debout, Junior, tu me déposes. Après, il y a une nouvelle fille qui était derrière. Après, tu dis. Non, on est hey girl, how you doing? Tu vois, hey c'est girl. Ça, c'est ça. Hey girl, c'est pas la même chose que bitch. C'est la même. Tu vas me dire qu'il y a personne, il y a pas de fille qui s'appelle entre eux. Hey bitch. Pas avec moi en tout cas. Moi j'ai assez de sécurité pour que tu m'appelles oui bitch. Ça existe ou pas? Peut-être. Ok mais est-ce qu'il doit avoir un ton qu'on t'appelle comme ça? Oui, il doit avoir un ton. Comment? Comme souriant? Ouais, hey. Souris. Comment? Comme hey bitch. Hey bitch. Non mais ne dis pas ça avec moi, les hommes peuvent pas. Pourquoi? Parce que non. Ah. Okay. Avec moi non. Avec les autres tu peux faire ce que tu veux mais moi non. Ok mais t'as mal compris alors. Hein? Mais ouais, toi tu vas manger quoi aujourd'hui alors? Comme il y a du riz là, on peut manger, on peut faire du riz ou. Il avait dit quoi? J'ai vu ce TikTok des spaghettis haïtiens, genre. Leur spaghetti a l'air trop bon, genre, c'est avec des poivrons et des saucisses et tout ça, comme. C'est épicé. Tu vois les spaghettis que maman faisait, qu'ils étaient épicés là. Avec des saucisses. J'ai vu faire, ouais. Ah. Bien épicé. Qu'est-ce que tu veux jeter là? Tu vas balayer, hein? Y'a rien. Tu vas balayer. Ok. Mais en parlant d'haïtiens, en plus, il y en avait qui ont dit de préparer des plats. Rigoler? Oui. Je sais pas comment je vais faire ça, comment on va faire ça. Est-ce qu'il y a des recettes sur internet pour comparer des plats haïtiens? Il y a trop de recettes qui diffèrent, genre. Faites du riz haïtien, faites du. Comment on appelle ce que tu mangeais là? Rigoler. Cancrou. La pâtisserie haïtienne là, les haïtiens, vous savez. C'est quoi, des beignets, genre? Ouais. Des beignets. Le nom. Mais des beignets. Non, il y a un truc que tu achetais là-bas. Et là, tu as ramené à la maison, tu dis c'est du cancrou, c'est du sangkou. C'est du. Comme un beignet ou un truc, un petit truc haïtien là. Tu disais. Ça s'appelle quelque chose. T'as acheté ça à Tasting Good là. Tasting Good? Ouais, t'as acheté ça. Ah, okra? Okra, ouais. Quelqu'un a dit aussi de cuisiner ça. Ça, c'est guadeloupéen. Ah, ok. Mais anti, vraiment, je crois qu'ils ont. Les Antillais, ouais. Ok, bon. Je pense qu'on. Acheter ça, mais non. On sait pas. Faut arrêter de trop acheter. Bon. Tout ce qu'on dépense pour acheter là, on peut tellement économiser. J'avoue. La nourriture. Vraiment de l'argent. Bon, mais on va arrêter là. Non, mais comme, sur le long terme, quand tu dépenses trop. Donc, ouais, on va arrêter là, je pense. Donc, bye bitch. Laisse,
T'as la chance, je suis blessée à cause du basket. Je m'excuse. T'as la chance, je suis blessée à cause du basket. Wesh, fuck, bro. What? Yo, ouf. Allez, les gars, voilà pour la vidéo. Like it. Abonnez-vous, c'est pas comme ça fait. Peace, bro.